كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. 3-0 finish. Oui, celui qui aime le Vita Club. Oui. Non, celui qui aime le Vita Club, il ne va plus parler devant nous parce qu'on va le mettre à l'écart. Lui ne soutient pas Mazembe. Et là, vous ne respectez pas l'espérance. Non, il a donné ses avis, mais qu'il nous laisse nous jouer parce que la Vita Club arrive au final sans pour autant mener la coupe. Mais nous, à chaque fois arrivé en finale, nous prenons des coupes. Nous sommes habitués à ça, de prendre des coupes tous les jours, tous les jours. Et on ne peut rien craindre. On sait que nous sommes devant un grand adversaire, mais on va faire l'effort pour l'arracher cette coupe. Mais vous n'allez pas passer encore. Non, nous allons passer. Non, comme vous pas il est tellement difficile. Et vous? Alors, donc, vous êtes Alboumbashi. Là, je vais vous dire, donc, vous n'allez pas rentrer avec la coupe. Nous sommes obligés de prendre la coupe et de rester avec la coupe à la maison. Ah. Donc, vous allez vous battre 3-0. Il n'y a même pas de équipe, vous n'allez même pas marquer la même celle. Et vous oubliez que vous jouez avec l'Espérance Sportive. N'importe quelle équipe, nous sommes dans les tables de Badiamoué. N'importe quelle équipe, même si on joue avec l'Espérance de Tunis, même si on joue avec les Barcelone, même si on joue avec Alboumbashi. Précisément à Kamalo, nous allons vous battre 3-0. 3-0. 3-0. Ok, merci. Allez, venez. Et le score, ça sert à combien? Ne vous en faites pas. Ah. Je sais que mon équipe va bien jouer. Nous ne jouons pas sous pression. 1-0, c'est un score surmontable. Je connais Mazembe, c'est une équipe très puissante. Surmonter ce score, moi, je n'ai ni chaud ni froid. Je sais que Mazembe va gagner. Si c'est à Kamalo, l'Espérance de Tunis, ça fait une très grande erreur. Il fallait jouer son match aller. Il a négligé de jouer son match aller. Lui, toi, qui s'y va remonter, va battre Mazembe. Ne vous en faites pas. J'ai déjà payé mon billet. C'est quoi le signe de victoire que vous faites? Ah bah c'est dangereux ça. Vous expliquez le geste. Vous expliquez le geste. Sportivement, on va vous tuer. Tuer. Donc on va pas rentrer en Tunisie. Non, ça sera pas. Non, ça sera pas. On va pas se bagarrer avec vous. Ah bah donc. Sur le terrain, on va vous tuer. Je dis pas qu'on va vous tuer comme ça avec le couteau. Non, on va vous tuer sur le terrain. Ne vous en faites pas. Alors dans les deux cas, on n'a pas peur. Vous n'avez pas peur? Ouais, on n'a pas peur. Tu es sûr? Oui, bien sûr. N'oubliez pas que vous êtes dans le temple de crocodile. Dans là. Le terrain. Tu connais et le crocodile. Hors terrain, on n'a pas peur. Tu connais le crocodile. Oui, mais c'est rien. Mais comment? C'est rien. Les caïmans. Vous connaissez les aigles. Très puissant. Vous connaissez les aigles quand même. T'en fais pas. Ah, vous connaissez donc les aigles. Tu veux faire la guerre du crocodile et de l'aigle. Oui. T'en fais pas. J'ai 0-3-0. 3-0.